Bonjour tout le monde, comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne YouTube SailingTube Family. D'autant plus vous êtes de plus en plus nombreux à chaque épisode. Donc je suis contente. Et ben voilà, nous sommes enfin arrivés à destination. Après 32 jours de mer, je suis contente d'arriver. C'était pas facile. Nous avons eu plein de petits problèmes techniques et la mer était très déchaînée. Mais bon, tout ça, on le racontera dans un prochain épisode. Comme d'habitude, un petit flashback en arrière. Dans cet épisode, nous allons vous parler des préparatifs pour cette traversée. Donc mon papa, il a fait des travaux, plein de petites réparations, il est monté en haut du mât, bon, en fait, je sais pas trop. Regardez. Je débranche tout et maintenant alors deux solutions, soit je soude, soit je mets les petits raccords là qui vont bien. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas c'est quoi le mieux. Je pense que ça c'est bien hein. Ça m'évitera de faire des soudures, tu vois, regarde, c'est ça. Bah ouais, on va faire un essai avec le jaune. L'air de tenir. Chloé ? Être contorsionniste pour entrer là-dedans là. Tout le monde se barre, comme un coup là-dedans, j'ai pas de truc, tout le monde se casse. Tout qui crame là. Trop fort lui. Et voilà. T'es réparé. Bon, allez. Sors de là, Rocky.
Et voilà, c'est fini. Hey, coucou ma CC, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait... je prépare le bateau pour la Transpacifique. C'est-à-dire? Explique-nous ce que tu es en train de faire. Je fais une filière pour que Rocky s'échappe pas. Regardez. Rocky! Rocky, viens de faire, viens de faire! Qu'est-ce qu'il fait, Rocky? Là, il pourrait tomber en navigation. Eh ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Il est de l'autre côté, le dauphin, Rocky, regarde. Là, il est monté. Comme ça, il peut pas passer. Rocky, il y a un dauphin. Ici, Rocky. Ici, ici, là. Il n'aime pas ça, le dauphin. Oh, comment on fait, maman? Comment on fait? Bah, oh, on peut pas passer. Oh, ça m'énerve, maman. Oh non. Toujours une petite marche avant, une petite marche arrière. Vas-y, avance, appuie. Voilà, tu fais quoi? Tu continues la barrière pour Rocky. Non, mais tu fixes les velcros. Ah oui. Pour l'attacher. Allez, montre-nous comment tu trouves bien. Le bateau est enfin prêt, mais comme nous avons passé un long moment sans faire de sport, petit dernier footing en famille. Et ben voilà, regardez. Je l'ai récupéré, je l'ai pas testé encore. On avait vu un paresseux ici. On avait vu un paresseux ici. T'entends pas bébé avec le moteur? Il y a des chiens? Il y en a beaucoup? Ah ouais? C'est juste un problème, le chien. Je suis accompagné de Célia, athlète de très haut niveau. Alors, votre impression, mademoiselle, au bout de ce 24e kilomètre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous gérez votre effort? Oui. C'est bon? Oui. Allez, plus que 26 km. Et nous avons Chloé en tête de peloton avec Jean-Marie. Magnifique. Nous sommes au 24e kilomètre. Allez, on tient bon, on tient bon. Vous n'avez pas commencé le footing avec maman? Si. Elle est où? Ah, elle est là-bas. Et nous avons Célia en troisième position. Elle remonte le peloton, magnifique. Suivie très près de Marilyn. Marilyn qui tire la langue. Allez, Marilyn, allez. Prum, 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 prum. Là, je vois sourire, hein. Mais on se moque pas de ma maman. C'est bien ici, t'as plein. Oui.
Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à dans 15 jours. Mais de suite, un petit extrait du prochain épisode. Bisous. Quoi, quoi? Il y en a un prêt pour le cheval. Ah oui, complètement. Olé, olé, caballo, caballo. Plus de 3 jours avant de passer le canal, du coup on profitait d'une dernière balade à cheval. If you want to support us, become a Patreon now. Click here. If you want to watch our first video, click here. If you want to subscribe to our channel, click here.